Voulez-vous entendre de la musique? Oui? On a deux gentils messieurs de la Suisse. Oui? On a monsieur Lilian. Sacha. Son malheur au lieu de construire son bonheur, et l'on se dit heureux comme on se dit je t'aime, à la fois enfant de loi et enfant de poème. Et on marche dans la vie en suivant les tempos, celui qui guide le temps et chacun de nos pas, celui qui nous transporte dans la belle rengaine, nous fait croire carpe diem que ça ira mieux demain. On cherche tous une plage égarée sous des pavés, une constance de bien-être à laquelle se raccrocher, une part d'amour dans ce monde, peut-être sa place sur la planète, délaisser le nauséabond pour en faire un jardin de fête. Oui, mais on cherche à réduire son malheur au lieu de construire son bonheur, et on délaisse la vie de peur qu'elle nous malmène, à la fois aventurier mais casanier quand même, qui progresse dans la vie en suivant nos tempos, là où il perd son temps et chacun de ses pas, là où il se conforte dans sa belle rengaine, mais il prie carpe diem que ça soit mieux demain, et ça ira mieux demain. Je cherche à réduire mon malheur au lieu de construire mon bonheur, et je me dis heureux comme je te dis je t'aime, à la fois enfant de loi et enfant de poème, qui progresse dans la vie en suivant nos tempos, là où j'y perds mon temps et chacun de mes pas, là où je me conforte dans ma belle rengaine. Mais je sais carpe diem que ça ira mieux demain, et 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 ça ira mieux demain, ça ira mieux demain, et ça ira mieux demain, et ça ira mieux demain.